Hello, salut les pépitos, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu retro. Juste baisser sur la téloche. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu? Tu connais ou tu connais pas? On va se rappeler du titre quand même, Capcom Fighting Jam. Donc c'est un crossover entre plusieurs jeux de baston de chez Capcom, bien sûr. Qui dit de baston, dit que je suis pas très fort, mais bon, c'est un jeu que j'ai acheté il y a longtemps, mais que j'ai jamais squatté. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Non, ça, un jeu de baston 2D, mais bon. Sans plus. Non, je regardais juste le niveau, c'est tout. 3 étoiles, c'est bien. Pour un nous, c'est parfait. Donc, ouais, les modes de jeu, bah voilà quoi. Il y a peu de modes multi à cette époque-là. Et donc voilà, donc parmi les 3 jeux, les 5 jeux, donc il y a du Street Fighter 2. Voilà. Voilà, du Street Fighter 3, c'est magnifique. Du Darkstalker, donc c'est déjà un peu mieux, mais bon, il n'y a pas Morgane, donc c'est dégueulasse. Il y a Ingrid que je connais pas, ça va être le boss du jeu. Un Street Fighter Alpha. Les bonhommes, ça va, ça passe. Et le Red Earth que je connais pas du tout. Alors voilà. Donc on va faire du très classique, hein. On va prendre Ryu. Parce que les autres, je les connais pas. Ouais. Hein. Ah, je peux en prendre deux. Bah, on va prendre Ryu et. Et pour pas être original, on va prendre Sakura. C'est parti, fait péter. Moi, comme ça, je serai les touches. Je mettrai un petit peu moins la honte. Voilà. Bon, là, c'est tout. C'est un jeu qui est sorti en 2014, ça veut dire. Ouais, quand même pas. En 2000. On est en combien là 2004. Donc sur PS2, je sais pas si c'est sorti sur autre chose. Il n'y a pas grand chose à présenter, hein. Du jeu de baston 2D classique. Donc, on peut changer de bonhomme. Je sais même pas si on peut changer de bonhomme en cours de match. Comme je dis, c'est un jeu que j'ai jamais squatté. J'essaie de vous présenter quelques jeux que j'ai en ma possession et que on voit jamais sur le net. Ah, ok, on pouvait choisir. On peut choisir que là en fait. Oh, j'ai pris 5 croix en rouge quoi. Pas changer de bonhomme. Ok. Allez, manche assez gratos. Donc on va se faire un petit mode arcade tranquille, je vais vous montrer le jeu, sans plus en parler, parce que franchement je peux pas vous en dire plus. Bon, ils sont pas cassés la nausée, c'est Capcom, parce qu'ils ont pris que du Street Fighter. Hein. Surtout qu'ils ont surtout plein de licences de baston à cette époque-là quand même. Mais bon. Donc ça fait combien de combattants du coup? Ça fait 20 combattants. 20 combattants sur 5 jeux. Bon, ça va encore. Ça va encore, ça va encore. Donc c'est une version européenne, hein, je précise quand même. Alors Earth, je connaissais pas ça. Avec le lion là. Ça me dit strictement que dalle. Il y a bien un jeu qui me dit rien, c'est Stylal. Quand ils auraient mis Star Gladiator ou je sais pas quoi, j'aurais compris, mais là. Clairement, c'est gratos. Mais bon. C'est vrai que. C'est light ce niveau, quoi. Niveau combattant. Mais bon. Quoi, niveau jeu surtout. En même temps, c'est que des jeux Capcom. Là, il n'y a pas de Mavrel. Le jeu, il est tip top quand même. J'ai jamais fait gaffe. Côté sympa, c'est pas ok. C'est juste pour savoir si je pouvais faire mon hélicoptère de l'autre côté, mais non. Donc ouais, je vais vous faire un peu comme ça les jeux que j'ai. Peut-être que les gens connaissent pas, en jeu de baston ou autre, hein.
Bah ça commence par un jeu de baston, mais bon. On verra bien ce que vous en pensez. Reprendre, c'est pas traduit en français, mais c'est pas grave. En jeu de baston, bien souvent. Chun-Li et Félicia quand même. Beau casting de gonzesse. Ah ouais. En fait, le problème, c'est ça, quoi. T'as bah, les. T'as quand même. C'est 4 personnages par jeu. Hein. Donc, t'as 12 personnages de Street Fighter, quoi. J'ai vu qu'il y a une garde devant. Hein. Donc, t'as les 12 personnages de Street Fighter, même si c'est différent Street Fighter, mais c'est quand même du Street Fighter. Et après, t'as le reste, quoi. T'as deux jeux, quoi. Après voilà, y a pas beaucoup de gens qui connaissent Darksoccer, c'était plutôt une série PS1 quoi. Et l'autre Red Earth, je connais pas du tout. Alors là, c'est un jeu de baston qui est jamais sorti en France ou en Europe, parce que ça me dit strictement rien. Red Earth, alors là, c'est vraiment une série que je connais pas du tout de jeu de baston chez Capcom. Mais bon. Bon, Ryu Street Fighter 2, il y a un peu de cheat, hein, parce que c'est qui cette madame? Tu veux. J'aurais pensé que c'était le dernier boss, elle, vous voyez. Ingrid. Si elle est toute seule, c'est qu'elle doit être cheatée, c'est ça. Ouais, pas cheatée. Après, le jeu, graphiquement, il est pas mal. Par contre, les décors derrière, voilà quoi. Ça bouge pas quoi. Ah si, ça bouge un peu, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est très joli, les décors derrière, j'aime bien celui-là comme stage. Bon, Ingrid, il ressemble un peu à Athena dans King of Fighter. Hein. Mais, bon. Mais les stages, les stages sont sympas. On voit beaucoup de personnages de Street Fighter surtout. Il va prendre sa cour un petit peu quand même. Après, je sais pas si les stages, c'est tous des stages de Street Fighter ou pas. Par contre, la chanson qui chante, merci quoi. Ah, vas-y, toi, connasse, me spam pas quoi. La logique, on peut jouer, ok. Allez, vas-y, la bouboule là. La bouboule là. La bouboule. Ah, bien joué. Ah, bah, bien joué. Ah, ouais, prend quand même plus de vie quoi. Oh, je vais perdre sa courant. Ouais. Bien ouais. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est pas mal hein, franchement. Le jeu franchement est pas mal. Par contre la chanson elle me casse les couilles. Tu vois. Je sais pas qui je vais prendre en fait. Ah. En plus elle récupère toute sa vie. Ah ouais, salope. Ah. Jouer ça. Tiens, mon chat, c'est gratos. Ah, les grandes guiboles là. C'est pas honteux ça. Tiens, c'est gratos, connasse. Allez, remballe. You win. Viens-moi cette chanson de merde là, sérieux. C'est horrible. C'est horrible pour les oreilles surtout. Je suis pas en mode karaoké, hein, s'il te plaît. Voilà, bon, Ingrid, je l'ai maté. Allez, vas-y, continue l'histoire. Bon, je sais même pas si c'est une histoire en fait. Il y a rien écrit derrière la boîte. J'ai juste marqué que c'est à 5 grands jeux, voilà. C'est marqué seulement qui sera le plus redoutable des combattants. Voilà, si tu veux. Ah, un petit stage de Darkstalker, c'est gratos. Ça fait longtemps que je l'offre, franchement, ils ont pas sorti un jeu. Ils avaient sorti un épisode sur PS3, mais quand j'app quoi, Darkstalker. Regardez Ryu, je suis plus fort avec Ryu, hein. Franchement. Sakura, je galère un peu.
Je pense que le dernier boss sera bison, mais bon. Ouais, t'as raison, toi. C'est gratos. Allez, remballe. Voilà. Bon, en fait, j'ai rien à dire sur le jeu. Hein. Il est très propre, il est très beau. Pour de la PS2, ça pète quoi. Y a rien à dire. Y a rien à dire de toute façon. Hein. Sur ce genre de jeu de baston, de toute façon, j'ai rien à dire quoi. Comme je dis, derrière la boîte, y a rien de marqué quoi. Kako Fatim est l'un des meilleurs combattants de. Des 5 beat'em up. Ah bon, culte. Moi, j'appelle ça de jeu de baston, mais c'est pas grave. Alors, le système de combo de Darkstalker, le système de guerre de Street Fighter 3, quel combattant sortira vainqueur? Tout dépend de vous, ok. La meilleure compilation jamais réalisée, plus de 20 combattants, ok, super. Le champion de roi, ça mesurera Ingrid, nouvelle combattante. Il y a deux boss mystérieux, il y a quand même deux personnages mystérieux, ok. Bon, le but c'est pas de perdre contre Ryu non plus, hein, mais oh. T'es enfoiré. Ah, il m'a niqué. J'ai plus de droit à l'erreur. De toute façon, faut que je me tape Ryu pour me faire défoncer quoi. Le bouton d'eau ça marche pas. Je garde Ryu hein, parce que là, déjà avec Ryu j'ai faniqué Ryu, alors c'est pas en prenant sa couronne que je vais y arriver. Hein. Énerve ce bruti là. Casse-toi. Ça me fait mal ça. Ah, il est sérieux. Non, il m'a niqué à la relève. PD. PD. En fait, il n'y a rien marqué quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On reprend Ryu. On reprend Sakura. Soit il y a qu'un bonhomme qui peut me niquer dans le jeu, c'est Ryu. Ryu ou Bison. Alors, ouais, franchement, c'est. Mes personnages maudits. Mais sérieux. Ouais. Et bien, il pique mon idée en plus. Casto, du coup, on la joue là. Eh, il saute avant, 3 heures avant, il me la met quoi. Ok. Allez, vas-y, là. Faut le spam pour niquer ce PD. Puis c'est sympa. Bon, par contre, c'est vrai que derrière, c'est moche. Ah bon, hein, quand même. Moi, j'ai pris sa couronne, mais je vais pas m'en servir. Hein. Sérieux, je devais rester avec Ryu. C'est vrai que derrière, c'est pas très très jojo. Hein. L'optimisation des décors derrière. Toi mange là, Posidon, je sais pas quoi là. C'est quoi cet engin là? Moi je connais. Franchement, si vous connaissez l'autre, Red Earth, je serais bien curieux. Hein, franchement, là c'est vraiment un jeu. Peut-être un jeu sorti en arcade, sûrement, mais bon. Je connais pas du tout. Alors là, franchement, je baston là, ça me dit strictement que dalle. Pour ça que je n'utilise pas le bonhomme, parce que je connais pas du tout la licence. Bon, j'espère que le mode arcade, je vais pas me taper tout le monde non plus. Alors là, un personnage qu'on a, qu'on peut pas choisir. Ok. Un bonhomme de feu. Est-ce qu'après on le débloque? Non, ouais, non, peut-être. Piron, en même temps. C'est quoi ce bonhomme encore? Téléporte. Ok. Pétain toi. C'est quoi cette horreur?
Oh putain, je vois rien. Je vois rien arriver, les mecs. Putain, ça sort de quel jeu, ce truc? J'ai de la chance sur celle-là. Le boss, il est bizarre. Je sais pas si c'est le boss de fin, mais... Wachouchou! C'est pas facile à prendre. Très arbre à prendre, hein, franchement. On va reprendre Ryu. Hein. Je t'aime bien Sakura, mais non. On va garder Ryu. Là, ça devient compliqué, là. Il disparaît partout, en plus. Il fait du feu, il fait de la glace. Il se téléporte surtout bien, comme il faut. Et c'est injouable, il saute partout. Oh lolo, ouais. Tiens, mange. J'ai de la chance, une grosse chance là. Que je tombe pas par terre et que qu'en retombant, je peux faire direct mon pouvoir. T'es balèze, lui, putain. Je sais pas si t'es boss de fin, mais. Whoopinaise, sa mère. Ah si, c'était boss de fin, ok. Je pense que si tu prends un autre truc d'une autre série, je pense que t'as un autre boss, hein. Mais bon. On va voir ce que ça donne la fin. Il y a un loup. Moi, je vais pas affronter lui par contre. C'est sympa là. Un petit dessin animé comme ça, un petit manga. Quoi, ça fait une planche quoi. S'il faut finir avec chaque personnage pour avoir une planche, peut-être qu'il y a celle de Sakura aussi ou pas. Ah, ok, c'est Sakura aussi. Bon, Dan, comme d'hab, il s'en prend toujours plein la gueule. Hein. Il est pas dans le jeu, mais il s'en prend quand même plein la gueule. Normal. Ben, j'aime bien, franchement, cinématique, ça fait. Bon, c'est. Ça t'apporte rien à la licence, mais bon. Mais c'est sympa, voilà. Petit jeu sympa. Bon, tu fais pas Capcom. Comme j'ai dit, c'est fait en 2004. Hein. Après, j'ai pas plus d'informations que vous. Hein. Donc, voilà. Jeu plutôt sympa. Demandez pas combien ça coûte, j'en sais strictement rien. Je l'avais pas eu cher, quoi. Je l'avais eu dans un lot avec plein de jeux de baston. J'ai plein de jeux de baston à vous montrer. Il y a de quoi faire en jeu de baston. J'ai de quoi vous montrer sinon. Mais déjà, on va faire celui-ci, comme ça, vous allez me dire si vous connaissez ou pas. Si vous découvrez ou pas. Un petit jeu PS2. Fort sympatoche. Bon, après, c'est du réchauffé. Hein. Il y a beaucoup plus de bonhommes de Street Fighter que les autres licences. Voilà, quoi. On va juste vérifier si le bonhomme que j'ai fighté, là, est-ce que je peux l'avoir en perso jouable, ce serait bien. Bon, a priori, je peux pas, mais bon. Je vais regarder dans la notice, parce qu'il y a une belle notice avec tous les personnages. Et s'il présente les coups du personnage... Pourquoi pas, on va regarder tant que c'est les crédits là. Et il est pas dans les. Déjà il est pas dans les choix des persos. Bon, la notice par contre elle est un peu dégueu, elle est en noir et blanc. T'as bien une grid. Les autres sont pas. Ok. C'est juste pour savoir. Peut-être qu'après ils seront débloqués. Hein. Dans ce genre de jeu, on sait jamais, mais bon là. Bon, voilà. 20 minutes, il y en a largement assez. On va zapper la musique quand même, non? Sans branle? Si je peux, ouais, je peux. Bah, je suis normal, je suis seul à jouer, donc... jouer. C'est un peu normal, je suis seul à y jouer. Y'a que moi qui joue à ma PS2, personne d'autre. Non mais non, c'est mon baby. C'est mon baby depuis des années. Ah, j'ai gagné un thème from Street Fighter 2. Thème Sakura, ok. Ouais, Aircom... ok. Ah, regardez, Spiron is a selectable jouable. Donc voilà, on peut jouer. Et après, il y a un stage Infinite Chamber, ça doit être son stage, ok.
Donc j'ai bien déverrouillé le personnage. Déjà je vais sauvegarder si je peux. Ah, je pouvais mettre l'autosave en fait. Je vais l'actionner quand même au cas où. Hein, hop. Au cas où si un jour je reviens dessus ou quoi. Au moins comme ça j'aurai les personnages déjà déverrouillés quoi. Mais par contre on les voit où les trucs là que j'ai viens de gagner. Attendez, on va essayer de voir. Parce que là c'est que le son, on s'en fout. Ça c'est les scoring, ok. Ouais, je veux bien voir les arpoucs. Les arcs, mais on les voit où? Je vais aller voir à training mode. C'est pour s'entraîner. Ah ok. Donc là il rajoute bien le personnage là, ok. Donc voilà. Et Ingrid, quoi. Parce que je l'ai battu, je pense. J'ai pas fait gaffe, au début je pouvais la faire quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potos. Je vous dis tous et à la prochaine. Allez, salut, bye!